Sur le web, le secret de la longévité passe par la viralité. Dans la catégorie vidéo virale, il y en a pour tous les goûts, en provenance de partout dans le monde. Et au Québec, la vidéo la plus virale à avoir été produite est celle-ci. Vous vous en souvenez? Simple, efficace, saisissant. Un aigle en plein vol qui agrippe un bébé sur le Mont-Royal. Mise en ligne le 18 décembre 2012, cette vidéo cumule plus de 46 millions de visionnements. Des millions de personnes ont cru à l'authenticité de la scène. Une scène qui n'a jamais eu lieu, entièrement conçue par 4 étudiants montréalais dans le cadre d'un travail d'école. Près de 10 ans plus tard, un d'entre eux a accepté de nous rencontrer en compagnie de son professeur de l'époque pour nous parler de cette expérience qui continue d'alimenter leurs réflexions sur les dangers de la viralité. Alors, Robin, Félix, on va commencer par revenir un peu dans le temps. 2012, quand la vidéo a été publiée, Félix, quand tu as appuyé sur le bouton « Envoi », qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ce moment-là et surtout ce qui arrive après. Là. Donc, le moment où on a publié la vidéo sur YouTube, nécessairement, nous, on a fait travail terminé, on a terminé notre session, on est allé présenter le travail dans le cours. Après, on est allé dans un bar pour voyeur, fêter la fin de session. C'est là qu'on a commencé à remarquer. On avait déjà une bonne idée que le résultat de notre travail était de qualité. Mais là, vous voyez les visionnements monter, monter. YouTube. Là. Sur YouTube, puis quand même en temps réel. Mais je dois dire que je n'étais pas conscient du tout de comme même c'était quoi ce phénomène-là d'avoir quelques dizaines de milliers de vues en peu d'instants. C'est vraiment avant de me coucher là, que j'ai regardé, puis je voyais les chiffres monter encore, donc rendu proche de 80 000. Mais c'est vraiment le lendemain matin, quand je me suis réveillé, on était à 3 millions de vues. Pouf! Puis là, c'est là que ça partit, dans le fond. Puis comment on se sent quand on voit ça? Est-ce qu'on perd le contrôle de la situation? Je me rappelle, c'est le lendemain matin, dans le fond, il y a un de mes collègues qui est venu me chercher, étudiant normand, qui est venu me chercher chez moi. Lui, il avait été contacté par l'école. Puis on devait justement, à cause que les médias commençaient à appeler NAD. C'est ça, les médias se sont emparés de l'histoire, ça a ajouté à la viralité du phénomène. Oui, c'est ça. Je crois que l'étincelle était déjà là. Donc il y avait un buzz sur Reddit, il y avait un buzz sur Internet, mais je crois que ce qui a fait que le feu a pris, c'est vraiment le moment où on a dit c'est un hoax, on le fait. Et là, les médias sont embarqués, en fait. C'est une histoire quand même cool. Tous les grands réseaux les ont appelés. CNN, NBC. Vous avez passé la journée. CNN, Good Morning America, BBC. That astonishing video. This video sparked debates in workplaces across the country. Sure, but I didn't know it was spread around the globe. Ça t'a surpris, ça, l'effet que ça a eu à travers le monde? En fait, je comprenais même pas quand ça se passait. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, que ça a été si viral, selon vous, dans la recette même là, si qui est employée? C'est ça, faire une espèce de recette, puis je crois que ça peut aider de le voir de manière chronologique, c'est... On a vraiment, c'est vraiment une situation où il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'ajoute à une situation ordinaire. Dans le fond, on est dans un parc, une journée tout à fait banale, et là, il y a quelqu'un qui filme sur son téléphone. Donc, jusque-là, tout le monde peut s'identifier à cette vidéo-là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un aigle qui attaque le bébé. Il y a un élément de surprise, genre, ça choque. Puis cet élément de surprise-là, bien, il génère une émotion. Puis nous, on est vraiment allé dans quelque chose de, tu sais, la peur, genre. Tu sais, c'est terrifiant de penser qu'un enfant peut se faire carrément enlevé par un aigle. Puis il y a des faits qu'on peut regarder sur Internet d'aigles qui soulèvent des chèvres de montagne. Il y aurait le titre aussi, je crois que ça peut vraiment influencer. C'est vrai que le titre... Le titre, c'est vraiment... Un peu comme les clickbait, genre, tu sais, les articles dans les journaux, etc. C'est exactement le même phénomène. Je crois que le titre, ça rentre dans le c'est un des critères, ouais. Aussi, le fait qu'on montre le vrai bébé à la fin. Au début du vidéo, c'est pas un vrai bébé, mais là, quand on va le voir ici, là. Ça, c'est un faux bébé. Donc, tout ce qui est là, qui est vu là, c'est faux. Le fait de le montrer à la fin, mais les gens s'y doutaient à ce moment-là, mais ils voient vrai à la fin. Il y a comme cette espèce de connexion-là qui peut aider à faire passer du faux, dans le fond. Oh, shit! Oh! Ça rentre dans les mythes urbains aussi. Donc ça rentre dans les peurs ancrées. Ouais. Fait que c'est sûr que quand ça va chercher... La peur. La peur, ça marche. Puis à partir de cette émotion-là qui est la peur, genre, je crois que si l'émotion est assez vive, bien, sur le coup, je crois pas que les gens vont se concentrer sur le fait est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Si l'émotion est assez forte, je crois que ça va les faire réagir tellement fort qu'ils vont partager. C'est incroyable, c'est genre, c'est qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'est plus quand le discours, bien, plus, pas le discours, mais quand ça se répand un peu plus, là, les gens vont plus se questionner, mais attends, un aigle,
à Montréal, un ingrédient... Attends, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, les débats peuvent, genre, commencer. Il y a des experts qui voient ça, soit en effet visuel ou les ornithologues. Ouais. Ces débats-là, ça génère justement la polarisation qui... Ça fait comme le virus, ça continue encore plus. Ouais. Puis il y a eu des sites, des gens qui ont pris l'image puis ont vraiment entouré les défauts. Mm-hmm. Et ces sites-là sont devenus virales aussi. Mais vous, vous avez encouragé, à titre de professeur, à l'époque, encouragé. En fait, c'était un des objectifs, c'était de susciter la viralité. C'était un des critères, mais maintenant, vous ne l'avez plus, ce critère-là, dans vos cours. C'est ça, si j'ai bien compris? Non, parce que... Pourquoi? Bon, on a commencé à être surveillés. Ah bon? Les médias nous surveillaient. on savait des appels. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Avec l'alligator, vous avez été appelé. Oui, on a été appelé. Vous parlez ici de l'alligator, dans une rue de Villeray. Oui, ça, les gens se posaient la question. Oui, c'était vrai. Je me suis posé la question aussi. J'ai eu des courriels d'anciens du NAD. Hey, bel job, les gars du NAD. C'est pas nous autres. C'est un travail étudiant fait en peu de temps. Ouais. C'est ça que moi, je pense que c'est un succès en termes académiques. Oui. Puis d'avoir été vu par, je ne sais pas combien de millions de personnes. 45 millions à ce jour, je crois. 45 millions. Sur notre vidéo officielle, puis ça, c'est sans compter. Toutes les vidéos. On parlait de perdre le contrôle. Les vidéos dérivées qui ont eu des millions de vues. Oui, c'est rendu là, ouais, c'est vrai qu'on peut perdre un peu le contrôle. Tu sais, je suis content que ça n'ait pas duré plus longtemps, que je n'aille pas à me sentir. On entend dire quelqu'un a tué un aigle parce qu'il a vu la vidéo. Il fallait que ça arrête. Il fallait que le masque tombe. Puis c'est quand même quelque chose. Il faut être conscient de ça. C'est n'importe qui regarde ça. C'est une chose que, des fois, je rencontre des gens inconnus, puis j'explique qu'est-ce que je fais. Je dis, avez-vous la vidéo de l'aigle? Tout le monde l'a vu. Ouais. C'est comme tout le monde l'a vu. Dans la descriptive du vidéo YouTube, le lendemain, on disait que c'était un canular. Ouais. Des mois après, je voyais des gens qui débattaient. Encore dans le commentaire. Donc, eux-mêmes ne prenaient pas l'effort d'aller lire la description du vidéo YouTube qui disait, c'est un canular. Ils débattaient en dessous. Ben, il est là le danger, alors. Donc, ouais, les gens. Si on parle de désinformation, de fausses nouvelles, c'est quand les gens sont paresseux, finalement. C'est une paresse, puis aussi une réaction. Tu sais, quand on parlait de l'effet de surprise qui génère une émotion, je crois pas que les gens sont en mode rationnel, je vais vérifier d'où ça vient, est-ce que ça se peut, etc. Ils sont plus. C'est émotif, donc ils vont repartager. Donc, Félix Robin, si vous avez été surpris par tout l'impact de cette vidéo il y a 12 ans, celle de l'aigle et du bébé, peut-être que l'avenir aussi va vous surprendre. Ah, possible. C'est un domaine qui est en constante évolution. Je pense qu'on est encore dans l'enfance du domaine, puis ça va juste continuer. C'est sûr que là, tout ce qui est le deep learning, l'intelligence artificielle... Ça change la donne. Ça change vraiment beaucoup de choses. Là. Mais ça devient, je dirais, un nouvel ensemble d'outils pour la création, pour les artistes. Bien, moi, ce que je vois arriver dans le futur, c'est que les outils se démocratisent de plus en plus. Donc, de plus en plus, c'est un peu n'importe qui va être capable de travailler. Comme on disait, c'est important de peut-être commencer à apprendre aux gens à reconnaître ou avoir des bons réflexes face à une vidéo qui se trouve sur Internet. D'être un peu plus sceptique, d'être un peu plus cynique à ce niveau-là.